Donc, j'effectue mes recherches en topologie symplectique et de contact. Il s'agit d'un domaine qui étudie des propriétés intrinsèques de certaines structures géométriques particulières. Alors, il y a d'une part les structures symplectiques qui vivent en dimension paire, et d'autre part les structures de contact qui sont en quelque sorte leur contrepartie en dimension impaire. Alors même s'il s'agit de deux mondes bien distincts, le monde symplectique et le monde de contact, il existe de nombreuses interactions entre les deux, et il est également très fécond de mettre à profit ces interactions. Et c'est quelque chose que je vais expliquer dans le cadre d'un projet que j'ai mené en collaboration avec l'un de mes collègues, Alexandru Wancha. C'est un projet qui a démarré aux environs de 2005, et à cette époque-là, eh bien, j'étais pas encore à Orsay, j'étais encore à Bruxelles, et Alex Wancha était à Strasbourg. Alors, tout d'abord pour définir les objets principaux, commençons par nous donner une variété différenciable W. On va la prendre de dimension paire, 2n. Et sur cette variété, on va considérer une deux formes. Je vais appeler oméga, et une telle de forme sera symplectique. Si d'une part elle est fermée, donc la différentielle de oméga est égale à 0, et d'autre part si elle est non dégénérée, c'est-à-dire si on prend oméga et qu'on la multiplie par elle-même le nombre maximal de fois, c'est-à-dire n fois, pour avoir une 2n forme sur une variété de dimension 2n, eh bien on obtient quelque chose qui est partout différent de 0. Alors les structures symplectiques, pour rendre ça un petit peu plus concret, possèdent un modèle local qui est unique, hein, c'est l'énoncé du théorème de Darboux, qui dit qu'il existe certaines coordonnées locales sur notre variété. Donc, il y a deux n coordonnées, je vais noter x1 jusqu'à xn les n premières, et puis y1 jusqu'à yn les n suivantes, et tel que dans ces coordonnées locales, la forme symplectique a une expression très, très simple. La forme symplectique oméga sera égale à la somme pour i allant de 1 à n de dxi produit extérieur avec dyi. Voilà. Donc, localement, une variété symplectique, ça ressemble toujours donc, à la donnée donc, de cet objet qui a deux vecteurs associés à un scalaire suivant cette formule. Alors les structures symplectiques, ce n'est pas juste un objet mathématique abstrait, c'est quelque chose qui n'est pas juste une invention déconnectée des applications, puisque la géométrie symplectique est en fait le cadre géométrique naturel de la mécanique classique. Et pour faire le lien de manière assez simple entre géométrie symplectique et mécanique classique, eh bien on peut considérer une fonction que j'ai appelée grand H sur notre variété W et à valeur dans R. Et à une telle fonction, en utilisant la structure symplectique, on peut associer un champ de vecteurs particulier. Qui est appelé le champ de vecteur hamiltonien, d'où l'utilisation de la lettre H pour la fonction. Et ce champ de vecteur, que je vais noter x indice grand H, eh bien, est défini de la manière suivante. Si j'insère ce champ de vecteur dans la deux formes symplectiques, on obtient une informe et on demande que cette informe soit égale à la différentielle de la fonction h, et comme la structure symplectique est non dégénérée, ceci définit de manière univoque en tout point donc un vecteur, et donc notre champ de vecteurs hamiltonien. Alors si je travaille dans un système de coordonnées de Darboux comme ceci,
eh bien, on peut décrire explicitement ce que seront les courbes intégrales, donc les trajectoires suivies par des particules dont le champ dévidé s'est donné par ce champ de vecteur hamiltonien. Et ces trajectoires vont être les solutions d'un système d'équations différentielles. Donc on a que les dérivées par rapport au temps des coordonnées xi seront données par la composante du champ hamiltonien dans cette même direction. Et la formule sud donne qu'il s'agit de la dérivée partielle de h par rapport à yi. Et par contre, les dérivées par rapport au temps des coordonnées yi seront données par l'opposé de la dérivée partielle de h par rapport aux coordonnées xi. Et donc, si on regarde ce système d'équations différentielles, bien, si on est un petit peu familier de la mécanique classique, on reconnaît les équations de Hamilton qui décrivent donc les équations du mouvement dans ce formalisme particulier. Donc voilà le lien entre géométrie symplectique et mécanique classique. Alors bon, petite généralisation au passage, hein, si on veut, on peut demander que la fonction h, hein, qui décrit le contenu du système physique en fait, dont on veut décrire l'évolution, dépend du temps, auquel cas donc, on rajoute une variable réelle ici devant, donc le hamiltonien dépend du temps, donc pour temps fixé on prend la différentielle, on obtient un champ de vecteur hamiltonien qui dépend du temps, et ici également on a dans les équations de Hamilton, un hamiltonien qui dépend du temps, donc tout ça fonctionne également lorsque on a une dépendance en une variable supplémentaire qui ne vit pas dans notre variété symplectique. Donc voilà pour ce que c'est donc une structure symplectique. Alors si notre variété W sur laquelle on travaille a un bord qui est non vide, alors on est typiquement amené à mettre une condition sur le bord pour s'assurer que type de construction que l'on va faire en géométrie symplectique reste bien défini, et typiquement tendance à demander que le bord soit convexe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il doit exister un champ de vecteurs que je vais appeler grand X, qui est un champ de vecteurs qui a la propriété de dilater la structure symplectique. Donc on dit que c'est un champ de Liouville. Ce champ de Liouville doit exister uniquement près du bord sur lequel on veut mettre la condition. Et la position du champ de vecteur par rapport au bord est qu'il doit être transverse et sortant. Alors quant à la condition de Liouville, le fait que le champ de vecteur x dilate la forme symplectique, eh bien, ça revient à demander mathématiquement donc que la dérivée de l'i par rapport à x de la forme symplectique est égale à la forme symplectique elle-même. Alors cette condition, outre le fait qu'elle va permettre de faire certaines constructions dans le cas de variétés à bord, elle est gagnant une signification précise au niveau du bord lui-même. C'est-à-dire que si on se place près de notre bord, pour moi le bord va jouer un rôle important, donc je vais lui donner un nom, je vais l'appeler M, et le considérer comme étant une variété en lui-même. Alors cette variété aura une dimension de moins que la variété W, donc il sera de dimension 2n-1, donc on est maintenant sur une variété de dimension impaire. Eh bien, près de ce bord, on a une informe qui est définie, je vais l'appeler alpha, et cette informe, elle est obtenue en insérant dans la forme symplectique, eh bien, le champ de Liouville grand X. Et le fait que X soit un champ de Liouville implique que quand on prend la différentielle de alpha, eh bien on retombe sur la forme symplectique. Alors maintenant, si on veut vraiment se restreindre à la variété M, je peux prendre l'informe
alpha la restreindre à m, on obtient une informe que je vais noter lambda, et on peut s'intéresser au noyau de cette informe lambda, et ça c'est un objet géométrique intéressant, je vais noter xi, et il se trouve que c'est ce qu'on appelle une structure de contact. Alors qu'est-ce que ça veut dire de manière générale, indépendamment de cette construction, que d'être une structure de contact? Eh bien, une structure de contact, c'est quelque chose qui est un champ d'hyperplan, donc la donnée en chaque point d'un hyperplan, qui est définie au moins localement, ici c'est global, mais ce n'est pas imposé en général, par une certaine informe que je vais noter lambda comme ici au-dessus, mais cette informe doit avoir la propriété que sa différentielle, une fois restreinte à xi, donc au noyau de lambda, eh bien, cette deux formes sur xi doit être symplectique, c'est-à-dire non dégénérée, comme j'expliquais avant. Donc les définitions sont un peu dissimilaires, mais on voit quand même apparaître une certaine similarité entre le cas de la dimension impaire et le cas de la dimension paire. Alors pour rendre ceci également plus explicite et compréhensible, pour visualiser une structure de contact, eh bien, il y a également un théorème de Darboux qui existe en géométrie de contact et qui permet de décrire permet de donner un modèle local unique pour les structures de contact. Donc, l'énoncé dans ce cas-ci dit qu'il existe des coordonnées locales sur notre variété de dimension 2n-1. Alors ici, les coordonnées, je vais les appeler x1 jusque xn-1. Pour la deuxième moitié, ce sera y1 jusqu'à yn-1, et puis il en manque une, celle-là je vais l'appeler z. Et dans ces coordonnées, eh bien, la structure de contact va s'écrire comme étant le noyau d'une informe qui correspond à un modèle local unique, qui est dz moins la somme pour y allant de 1 à n-1, de yi et xi. Donc on peut se représenter de manière explicite le champ d'hyperplan obtenu et on voit que ce champ d'hyperplan va pivoter dans une direction lorsque on se déplace le long d'un des axes de coordonnées correspondant à des coordonnées y. Et le fait que ce champ pivote en fait implique que ce champ d'hyperplan est non intégrable, donc il n'existe pas d'hypersurface dans M qui soit partout tangente à xi. Et non seulement c'est non intégrable, mais en fait, ce qui caractérise une structure de contact, c'est que cet objet est maximalement non intégrable, donc c'est le contre-pied de la condition d'intégrabilité. En d'autres termes, minimise la dimension pour laquelle il existe des sous-variétés qui soient partout tangentes à la structure de contact. Voilà ce que c'est géométriquement que une structure de contact. Alors, là aussi je l'ai défini comme étant un objet mathématique, mais de nouveau, il y a des liens entre cet objet mathématique et des applications, et la physique, et donc en particulier, pour décrire des liens avec la physique, eh bien, la géométrie de contact est le cadre naturel de l'optique géométrique. Alors pour décrire en quoi assez brièvement ce lien est formé, eh bien revenons à notre informe lambda qui définit la structure de contact et à sa différentielle d lambda, donc, dont la restriction à xi est non dégénérée. Eh bien, donc cette deux formes d lambda est non dégénérée, donc n'a pas de noyau
dans les directions de xi. Par contre, comme elle vit sur une variété de dimension impaire, elle a forcément un noyau non trivial. Et donc, ce noyau, c'est forcément une droite qui est transverse à la structure de contact. Et dans cette droite de vecteur qui annihile la deux formes des lambda, on peut en choisir un, que je vais noter R indice lambda, et qui est normalisé par la condition que la informe lambda elle-même va s'évaluer dessus pour donner exactement 1. Et ce R lambda choisi de cette manière-là donc, correspond en chaque point à un vecteur, donc on obtient un champ de vecteurs de cette manière-là, qui est appelé le champ de Reb. Et dans le cadre de l'optique géométrique, le champ de Reb, c'est le champ de vecteurs qui décrit exactement la propagation des rayons lumineux. Donc autrement dit, les rayons lumineux seront les courbes intégrales du champ de Reb. Donc voilà pour ce que sont les structures symplectiques de contact. Dans un cas particulier bien précis qui est la situation où on a au départ une variété symplectique dont le bord non vide est convexe et ce bord va porter donc une structure de contact. Donc si je représente la situation schématiquement, on a donc une variété avec un bord non vide, c'est notre W, le bord c'est M, et sur W on a une structure symplectique. La convexité du bord qui s'exprime par l'existence d'un champ sortant et transverse X qui dilate la structure symplectique sur W implique que, sur le bord de la variété vit une structure de contact. Alors cet objet qui est là, on peut l'étudier et on peut adopter deux points de vue différents pour l'étudier. D'une part, on peut utiliser un point de vue qui est plutôt symplectique, c'est-à-dire qu'on va considérer que l'objet principal dans ce schéma, c'est la variété symplectique W oméga, et que simplement, pour des raisons, comme je l'ai dit là tout de suite, pour que certaines constructions restent bien définies, mais malgré la présence d'un bord, on a mis une certaine condition au bord. Mais que cette condition induise une structure de contact est finalement secondaire et pas important. Ce qui est important, c'est la structure symplectique. Ça, c'est un premier point de vue qu'on peut adopter. Sinon, en présence de cet objet, on peut adopter un autre point de vue qui est plutôt un point de vue de contact. Dans lequel l'objet le plus important, c'est la variété M avec sa structure de contact, M xi. Et simplement, c'est juste pas donner de manière abstraite directement la variété M xi sans rien d'autre autour, mais en plus de cette variété contact, l'objet principal, on a une donnée auxiliaire qui est cette variété symplectique qui vient border la variété de contact, et on appelle ça un remplissage symplectique. Donc, la variété symplectique vient remplir en quelque sorte la variété de contact. Mais l'objet principal, c'est la variété de contact qui est là. Voilà deux points de vue qui peuvent être utilisés pour étudier une telle variété symplectique à bord convexe. Alors quand je dis étudier, qu'est-ce que ça signifie? On veut étudier certaines propriétés, intrinsèques de ces variétés-là. Et pour y arriver, on a besoin d'outils. Et certains de ces outils ont été introduits par Gromov dans un article tout à fait fondamental datant de 1985. Gromov était à cette époque déjà à l'IHES.
L'outil introduit par Gromov, eh bien, il s'agit des courbes pseudo-holomorphes. Introduite donc dans le cadre de la géométrie symplectique. Alors de quoi s'agit-il? Quelle est l'idée? Eh bien, sur notre variété symplectique W oméga, on va se donner un objet supplémentaire, qui est habituellement noté J majuscule, donc c'est ce qu'on appelle une structure presque complexe. Donc concrètement, il s'agit en fait d'un endomorphisme qui va agir sur les vecteurs tangents à la variété. Donc à notre variété W, et qui a la propriété que si je compose cet endomorphisme avec lui-même, donc si on regarde J carré, bien on obtient moins l'identité. Donc, en d'autres termes, on singe le comportement sur un espace vectoriel complexe de la multiplication par I, par racine carrée de moins 1, qui a le comportement que I au carré est égal à moins 1. Ici, on fait ça pour cet endomorphisme. Alors, cette donnée supplémentaire eh bien, qui vit sur W, on va demander qu'elle soit compatible avec la donnée qu'on avait déjà au départ, c'est-à-dire la structure symplectique. Donc, on va demander que ce J soit compatible avec la structure symplectique, ce qui revient à dire d'une part que oméga est J invariante, donc si on applique J aux deux vecteurs mangés par la forme symplectique, eh bien, ça revient à ne rien faire du tout, on récupère la forme symplectique de départ. Alors ça signifie que si j'apparie la structure symplectique avec la structure presque complexe, donc en faisant agir J sur l'un des vecteurs qui est un argument de oméga, eh bien, ce que j'obtiens ici est une forme bilinéaire symétrique, et on va demander que cette forme bilinéaire symétrique soit un produit scalaire défini positif. Et donc, de cette manière-là, on obtient une métrique riemannienne sur notre variété symplectique par l'intermédiaire du choix d'une structure presque complexe compatible avec la structure symplectique. Alors l'idée de Gromov est d'introduire de tels objets de manière à pouvoir considérer des courbes pseudo-holomorphes, donc une courbe pseudo-holomorphe. Généralise, comme son nom l'indique, une notion d'application holomorphe. Ce sera une application U, définie de manière générale sur une variété complexe de dimension 1, mais comme la condition est locale, je vais juste écrire, par exemple, les complexes eux-mêmes, à valeur dans notre variété symplectique, et qui satisfait la condition que la différentielle de U devrait être linéaire par rapport à la multiplication par les complexes. Et donc, on va demander que si on multiplie les vecteurs tangents de C par I, eh bien ça revient à l'autre bout à appliquer l'endomorphisme J au vecteur tangent de W. Et donc, cette équation-là, qui généralise l'équation de Cauchy-Riemann pour les applications holomorphes, a de suffisamment bonnes propriétés que pour que énormément de propriétés des applications holomorphes soient partagées encore par les courbes pseudo-holomorphes. Alors ce qui est formidable, c'est que même si la notion de courbe pseudo-holomorphe dépend du choix que l'on peut faire pour une structure presque complexe, un tel choix peut toujours être fait, mais il est toujours loin d'être unique, bien même si cette notion de courbe pseudo-holomorphe dépend de ce choix qu'on a fait, qui n'est donc pas intrinsèque à la variété symplectique, eh bien il est possible, et Gromov l'explique dans son article, il est possible de faire d'autres constructions à partir de courbes pseudo-holomorphes, de manière à en extraire des informations qui, elles, ne dépendront que de la variété symplectique de départ. Et cette philosophie donc, s'est développée dans de nombreuses directions depuis l'article de Gromov.
au point qu'on s'est vraiment habitué dans le domaine de la topologie symplectique à utiliser ces objets-là. Et finalement, le terme pseudo a fini par disparaître, parce que finalement, même si c'est une généralisation des courbes holomorphes, eh bien finalement, elles ne sont pas moins bonnes, en quelque sorte, que les objets originaux. Ils sont certainement aussi féconds, et donc, désormais, on parle plus typiquement de courbes holomorphes en géométrie symplectique. Alors, pour revenir maintenant que j'ai mis en place, grosso modo, les outils qui peuvent être utilisés en topologie symplectique, revenons à l'étude de cette variété symplectique à bord. Si on veut l'étudier d'un point de vue symplectique, une chose que l'on peut faire, c'est d'utiliser donc la théorie des courbes holomorphes de Gromov adaptées d'une certaine manière pour construire un objet qu'on appelle l'homologie symplectique. Et que je vais noter en bref SH pour symplectic homology. Ça, c'est le point de vue qui était essentiellement adopté par mon collègue Alex Wanchia, vu son background, la manière dont il a été formé. Et d'un autre côté, si on s'attache d'abord à la géométrie de contact et qu'on regarde la géométrie symplectique comme étant auxiliaire, eh bien, on peut définir un autre objet qu'on appelle l'homologie de contact. Et dans le cadre de cette théorie, le remplissage symplectique est utilisé pour un petit peu simplifier cet objet homologie de contact et définir ce qu'on appelle l'homologie de contact linéarisée. Et cet objet-là, je vais l'appeler CH pour contact homology. C'est le point de vue auquel j'ai été formé pendant ma thèse. Et maintenant qu'on voit qu'on a ces deux points de vue et ces deux objets que l'on peut utiliser pour étudier ce même grand objet ici, on peut se poser naturellement la question de savoir quelle est la relation qui existe entre ces deux objets qu'on vient associer. Et ça a été le point de départ et la question de départ de ce projet mené avec Alex Wanchia. Pour esquisser ce que c'est que cet objet homologie symplectique, mais on part d'une fonction hamiltonienne comme tout à l'heure, mais à la différence qu'elle dépend du temps de manière périodique. Donc le domaine de H sera le cercle que multiplie W, et on obtient donc un champ hamiltonien XH qui dépend du temps et qui est également périodique. Alors à partir de ce moment-là, il est naturel de regarder les trajectoires correspondant à ce champ hamiltonien, qui sont également périodiques avec la même période, c'est-à-dire donc des applications qui vont du cercle vers W, avec la propriété que gamma point, eh bien, c'est égal au champ hamiltonien dépendant du temps le long de la trajectoire gamma. Et on va s'intéresser donc à de telles trajectoires, et on va considérer, on va énumérer ces trajectoires et on va considérer le module, on va appeler SC, qui est engendré eh bien, par ces orbites périodiques. Alors, il y a un moyen de rajouter une graduation sur ce module. Donc, de manière algébrique, on a encodé un contenu dynamique qui correspond au choix d'une certaine fonction hamiltonienne sur la variété symplectique. Alors on peut, et c'est l'idée originellement due à Fleur, on peut introduire des objets qui généralisent quelque peu les courbes pseudo-holomorphes et qui vont interpoler entre différentes orbites comme ceci. Il s'agit de ce qu'on appelle les trajectoires de Fleur, qui sont des applications définies sur un cylindre, R fois S1, et à valeur dans la variété symplectique, et qui satisfont l'équation suivante. Donc la dérivée partielle de U par rapport à la variable S qui vit dans la droite réelle ici,
plus la structure presque complexe choisie sur, sur la variété symplectique, appliquée à du sur dt. Alors si j'arrêtais ici, j'écris écale à 0, j'obtiendrais exactement les courbes pseudo-holomorphes de Gromov. La différence ici, c'est qu'il y a un terme supplémentaire qui vient de la fonction h. On soustrait le champ hamiltonien dépendant du temps le long de u, et on demande que ceci soit égal à 0. Donc ça, c'est une trajectoire de Fleur. Et l'un des intérêts de ce terme, c'est que ça rend possible de demander que lorsque la variable s tend vers plus ou moins l'infini, eh bien, ces trajectoires de Fleur doivent converger vers des orbites périodiques gamma plus ou gamma moins du champ hamiltonien. Et en comptant de telles trajectoires, eh bien, on peut construire une différentielle sur notre module gradué, donc une application D qui va du module en une certaine graduation vers lui-même en une graduation 1 de moins, avec donc la propriété, donc c'est une différentielle, autrement dit, D est composé avec lui-même, D carré donc est égal à 0. Et donc ça veut dire que nous avons en fait un complexe de chaînes, c'est ça qui justifie le SC, le complexe symplectique. Et si on passe à l'homologie de ce complexe, si on prend l'homologie de SC relativement à D, eh bien on obtient ce qu'on appelle l'homologie symplectique de W oméga. Donc on a extrait de toute cette construction une certaine information qui est l'homologie, et le grand théorème, eh bien, c'est que cette homologie symplectique ne dépend pas du choix d'une structure presque complexe ou d'un hamiltonien avec un certain comportement près du bord, mais ne dépend que de la variété symplectique de départ. Donc, ceci ne contient que des informations qui dépendent de notre variété symplectique au départ, et donc on a bien construit un objet qui permet d'étudier la géométrie intrinsèque et symplectique de notre variété W. Alors dans tout ceci, ce que Alex Wanshia et moi avons étudié, c'est une petite variante de cette homologie symplectique qu'on appelle SH+, qui correspond à prendre une variante de ce complexe dans lequel les orbites périodiques considérées sont toutes localisées près du bord. On n'a aucune chance, évidemment, de repérer des choses qui dépendent uniquement de la structure de contact si on regarde loin du bord. Et la différence entre cette homologie symplectique originale et cette variante est juste quelque chose qui dépend uniquement de la topologie de la variété W, donc c'est rien de très profond. Et donc ceci est donc une variante qui correspond aux orbites près du bord. De notre variété. Donc voilà ce que c'est que l'homologie symplectique donc, dans ce contexte. D'autre part, on peut définir l'homologie de contact dans ce contexte, et cette définition est due à Elias Berg et Hofer. Alors ici, on va également commencer par s'intéresser à des orbites périodiques, les orbites périodiques ne vont plus correspondre à une fonction hamiltonienne, mais au champ de Hebb pour notre structure de contact. Et ces orbites périodiques vont former également un objet algébrique. Alors, plutôt que prendre un module, c'est-à-dire quelque chose qui est défini sur les entiers, on va prendre quelque chose d'un peu moins général. On prend un espace vectoriel noté CC pour complexe de contact, qui est un espace vectoriel sur des nombres rationnels, qui est engendré par ces orbites. Et qui est également gradué d'une manière assez semblable au cas symplectique. Et cette fois, pour introduire une différentielle sur cet espace vectoriel, on va regarder vraiment les courbes holomorphes au sens de Gromov,
qui vivent, alors non pas dans la variété W, puisqu'on s'est concentré sur la variété de contact. Donc voilà, de nouveau, schématiquement, la variété W avec son bord de contact. Alors plutôt que d'avoir cette variété avec un champ de Liouville sortant comme ceci, qui permet en fait de construire un demi-cône sur M, eh bien on construit à côté de cette variété-là une autre variété qui correspond à M, multipliée par la droite réelle en prenant un cône entier et pas un demi-cône avec un champ de Liouville qui va de moins l'infini vers plus l'infini et qui dilate une structure symplectique ambiante et à l'intérieur de laquelle vit notre variété de contact. Donc on est sur une variété qui est droite réelle fois M. On est dans R fois M. Et ces courbes holomorphes vont avoir essentiellement cet aspect-ci. Elles vont interpoller entre une orbite située à plus l'infini et une certaine collection d'orbites situées en moins l'infini. Donc, au lieu d'interpoler entre deux trajectoires comme précédemment, eh bien on va aller entre une orbite qui est située en plus l'infini, c'est l'orbite gamma plus, et plusieurs orbites situées en moins l'infini. Donc il y a une première orbite que je vais appeler gamma moins, et puis un certain nombre d'autres orbites que je vais appeler gamma 1 jusque gamma k. Alors en plus de cet objet-là, on va également considérer d'autres courbes holomorphes. Auxiliaires, en quelque sorte, qui vivent cette fois dans l'étage du dessous sur mon dessin, donc dans W, et qui bordent eh bien, les orbites redondantes, les orbites gamma i, pour i allant de 1 à k. Donc pour chaque orbite redondante, si je note gamma plus ici et gamma moins là, j'ai les orbites gamma 1 jusqu'à gamma k qui sont ici. Et donc pour ces orbites redondantes, on va regarder des courbes holomorphes qui viennent border ces orbites. Et on obtient donc toute une configuration, et le comptage de ces objets-là va donner une différentielle sur notre complexe de contact, qui décroît également le degré de 1, avec également la propriété que d carré est égal à 0, et cette fois, l'homologie de ce complexe de contact avec cette différentielle, eh bien, c'est ce qu'on va appeler l'homologie de contact linéarisée de notre variété de contact. Alors la procédure de linéarisation qui consiste en fait à regarder ces courbes holomorphes ici dans W, eh bien, dépend bien sûr de W, donc la notation laisse suggérer que ça ne dépend que de Nxi, mais bien sûr ça dépend vraiment de toute la donnée de départ ici, la variété symplectique complètement, mais comme dans le cas symplectique, eh bien, on peut démontrer que cet objet-là, le fait d'avoir extrait juste l'homologie comme étant une partie d'information que l'on va garder, eh bien, fait que cet objet-ci ne va pas dépendre des choix supplémentaires, le choix d'une structure presque complexe, le choix d'une forme de contact qui définit notre structure de contact, et ça ne va dépendre que de la variété de contact de départ, et bien sûr son remplissage symplectique W oméga. Donc ceci ne dépend que de W et oméga. Voilà les deux objets, hein, homologie symplectique et homologie de contact, que l'on peut définir associés à cette donnée. Et la question naturelle, c'est quel est le lien entre ces homologies ? Est-ce qu'il y en a un ? Alors la réponse était l'objet donc du travail de longue haleine mené avec Alexandru Huanchea. Et le premier élément de réponse est de donner un premier jalon important qui dit qu'il existe une longue suite exacte
radié. L'homologie symplectique à l'homologie de contact linéarisée qui fait intervenir deux fois l'homologie de contact linéarisée avec un décalage de degré égal à 2. Et puis on revient vers l'homologie symplectique. En 1 degré de moins. Et ainsi de suite, on continue. Alors cette longue suite exacte fournit une réponse assez satisfaisante à l'existence d'un lien entre ces deux théories, mais pas complètement, parce qu'on voudrait comprendre la nature de ce lien. Alors quand on regarde la partie centrale de cette longue suite exacte, on voit, vu qu'il y a une même homologie qui apparaît deux fois avec un décalage de degré moins 2, on voit que ça ressemble à une longue suite exacte de Guisin, hein, quelque chose qui apparaît typiquement lorsque on regarde des homologies S1 et Q variantes. Et donc, on peut se poser la question de comprendre vraiment est-ce que l'homologie S1 et Q variantes joue un rôle là-dedans. Alors, heureusement, un travail antérieur de Claude Viterbo, qui était le directeur de thèse d'Alex Francia à Orsay en 2003, et Viterbo avait déjà écrit en 98, alors qu'il était également à Orsay, un article dans lequel il décrit la possibilité de définir une version S1 équivariante pour l'homologie symplectique. Donc ça veut dire qu'on est dans un contexte où le cercle agit. On a un Hamiltonien qui dépend de manière périodique du temps, et en fait, en décalant la dépendance temporelle de ce Hamiltonien par le cercle, on a une action du cercle sur toute la théorie, et en prenant compte de cette action du cercle, on peut définir une version S1 équivariante. Et la manière de procéder, qui est juste esquissée par Viterbo, c'est que c'est basé sur la construction de Borel, pour une action du cercle sur un espace topologique X. Donc, l'idée, c'est que dans ce cas-là, eh bien, on peut définir l'homologie S1 équivariante de X comme étant ce qu'on a envie de faire moralement, c'est de prendre l'espace X et puis de quotienter par l'action du cercle. Sauf que l'action ici, de manière générale, n'est pas libre, et le quotient de x par s1 serait un espace avec d'assez mauvaises propriétés, qui fait que cette homologie n'aurait pas un très très grand intérêt. Et donc, plutôt que de faire un quotient, on va multiplier par un espace auxiliaire es1, qui est classique, et qui est un espace contractile, muni d'une action libre du cercle. Cet espace est unique à homotopie équivariante près, donc il n'y a pas vraiment de choix. En faisant cela, maintenant, si on regarde l'action diagonale du cercle sur ces deux facteurs, elle devient libre vu qu'elle est libre sur le facteur de droite, et donc on peut quotienter en obtenant un espace ayant de bonnes propriétés, et donc espérer que cet objet, effectivement, ait de bonnes propriétés, et effectivement, c'est ça qu'on appelle l'homologie S1 équivariante. Donc en imitant, en singeant cette construction dans un cadre symplectique, Viterbo suggère qu'on puisse faire la même chose pour l'homologie symplectique et obtenir un objet intéressant. Et motivé par le résultat de ce théorème-ci, eh bien, Alex Wanscher et moi avons implémenté cette construction pour montrer en fait qu'il existe bien une homologie symplectique S1 équivariante pour notre variété symplectique. Alors, en particulier, on a construit la version avec un petit plus, comme précédemment, qui correspond uniquement au fait que l'on s'est intéressé uniquement aux orbites qui vivent près du bord de la variété symplectique. Et
cette homologie S1 q-variante, cette variante de l'homologie symplectique ordinaire, eh bien, va être reliée à l'homologie symplectique ordinaire par une longue suite exacte, qui est une suite de Guisin. Et cette suite de Guisin, je vais la représenter juste en dessous de la première suite exacte. Donc on part avec la même homologie symplectique, ici je prends la variante plus, puis on va vers l'homologie symplectique S1 q-variante qu'on a construite, puis on continue en descendant de deux unités dans le degré, et on revient à l'homologie symplectique ordinaire, qui a un degré de moins que tout à fait à gauche, et ainsi de suite. Et donc on obtient cette longue suite exacte. Donc là, on a en quelque sorte enrichi notre arsenal en introduisant un objet supplémentaire, et le dernier résultat que nous avons obtenu, donc le premier était obtenu en... publié en 2009, le deuxième publié en 2013, et le troisième théorème a été publié en 2017, eh bien, c'est qu'il existe un isomorphisme entre l'homologie de contact linéarisée et cette partie plus de l'homologie symplectique et son équivariante, qui est compatible avec ces deux suites exactes, c'est-à-dire que ces objets qui sont les mêmes de part et d'autre, et l'isomorphisme, eh bien, sont compatibles en ce sens qu'ensemble, ils forment un diagramme commutatif. Et donc ceci permet vraiment de comprendre complètement, d'achever la réponse du lien entre le point de vue symplectique et le point de vue contact sur ces objets. Alors, l'avantage d'avoir un tel point de vue est que désormais, si on veut étudier ces outils, homologie symplectique, homologie de contact ou leurs variantes, plutôt que de les étudier séparément et d'établir leurs propriétés individuellement, on a désormais un cadre unificateur qui est dérivé des résultats qui sont ici et qui permet d'établir en parallèle et ensemble les propriétés pour l'un de ces objets et les propriétés analogues pour les autres. Cet enrichissement qui donc, permet d'unifier ces points de vue et de les étudier ensemble est également utile pour obtenir de nouvelles applications. D'une certaine manière, on ne peut pas dire que le point de vue symplectique soit supérieur au point de vue de contact et inversement, mais ces points de vue sont complémentaires. Ainsi, par exemple, ça a été illustré par notre étudiant en thèse Jean Gut, qui a soutenu en 2014, et qui, en utilisant la combinaison de l'homologie symplectique et de sa variante S1 équivariante, a pu démontrer des résultats de nature dynamique sur l'existence d'orbites périodiques du champ de Reb de manière quantitative. Donc, décrire combien au minimum de telles orbites pouvaient exister. C'est des choses qu'on n'arrivait pas à faire avec l'un de ces objets, mais en utilisant la conjonction des deux et leur lien entre eux, eh bien, c'est quelque chose qui est devenu possible. Alors plus généralement, au niveau des perspectives de ce que cela offre dans le futur, d'une part, tout ce formalisme algébrique et les structures algébriques qui ont été dégagées au niveau des homologies ont permis de renforcer les liens entre homologie symplectique et homologie d'espace délacé, et donc tout ce qu'on appelle la string topology, et c'est quelque chose qui peut encore se développer dans le futur. D'autre part, la construction de cette homologie symplectique S1 q-variante, au passage, donc l'implémentation de la construction de Borel dans le cadre symplectique fait passer par une homologie symplectique pour famille de
structure symplectique et famille du hamiltonien, famille de toutes ces structures géométriques dont on a besoin pour définir cet objet. Et cet invariant pour famille est lui-même un objet qui peut être exploité pour étudier donc, non seulement des familles, mais également aller vers d'autres applications qui sont encore en cours de développement à l'heure actuelle.